Je m'appelle Valérie, c'est moi la designer derrière Inspire Création. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire des doubles brides et des triples brides. En fait, c'est les derniers points, entre guillemets, de base qu'on va voir ensemble. La suite, tu sais, un coup qu'on sait faire les doubles, les triples, ben, les quadruples, c'est le même principe, et etc. Là, quand on monte en hauteur. Donc ça ici, c'est la double bride. C'est très, très haut comme ouvrage, comme maille, comme ça. Ça, c'est la double. Et ça, c'est la triple. Si on les met côte à côte, là. Comme ça. Même crochet, même laine, même échantillon. 4 par 15, je pense. Ouais. Voilà, triple bride. C'est surtout utilisé là, pour faire les ouvrages de dentelle. Je vous montre un échantillon là, que j'étais en train de travailler. Comme ça. Fait on regarde ici. Ça, c'est les doubles brides qu'on a. Les V, là. Le rang d'après, c'est des brides. Ça, c'est des doubles brides. Ça donne de la longueur, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. C'est très, très délicat. C'est très... C'est très dentelle, là. Moi, j'aime bien ça, là. Pour travailler, là, des points ou des hauts... Tu sais, comme ça, ça risque d'être un haut de col, un col, dans le fond. Là. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. On y va. On se lance. Oups. Traverse de balle de l'aise. On y va avec la demi-bride, la double bride. Voyons, et on ne lâche pas, la double bride. Voilà. J'ai ma chaînette ici, j'en ai 10, comme d'habitude. On enroule la laine. Donc, maille serrée plus 1, demi-bride plus 2, bride plus 3, une double bride plus 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je vais venir piquer dans la cinquième maille suivant celle du crochet, qui se trouve à être 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là ici. Celle-là ici. Ici. Donc, je vais faire deux jetés sur mon crochet. 1, 2 jetés. Je viens piquer dans ma cinquième maille. 1, 2, 3, 4, 5. C'est celle-là ici. Je pique. Je fais un jeté. Je tire. Je me retrouve avec 4 loops sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe au travers de 2. Je fais un jeté. Je passe au travers de 2. Je fais un jeté et je passe au travers des deux dernières. On a notre première double bride. On recommence. Deux jetés. On pique ici. On fait un jeté. On a 4 loops sur notre crochet. Un jeté. On passe à travers de 2. Un jeté. On passe au travers de 2. Un jeté. On passe au travers des deux dernières. Continue. Deux jetés en même temps. On pique. C'est ça. Deux. Pique. Ça. On voit que j'ai séparé ma laine. Ça, c'est beau. On va finir le rang. Comme ça. Arc June.
Voilà, j'ai fini mon premier. Donc, c'est comme ça qu'on fait les doubles brides pour avoir de la hauteur. Les triples brides maintenant. On va partir de ça, puis on va monter les triples brides. Donc, pour une double bride, c'était plus 4 mailles en l'air pour monter. Une triple, c'est plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, on va faire 3 jetés sur notre crochet. 3. On pique, on fait un jeté et on se retrouve là avec 5 loops. Ouais, 5 loops sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les deux premières. Un jeté, je passe dans les deux premières. Un jeté dans les deux autres. Un dernier jeté. Et voilà, je fais ça 4 fois dans le fond. Ça me fait ma triple bride. On recommence. 1, 2, 3. Je pique, je fais un jeté, je tire. Les deux premières. Un jeté, les deux suivantes. Un autre jeté, les deux suivantes. Et un jeté, les deux dernières. Tu sais, en comparaison, là, on voit bien là, la hauteur. Là. C'est super beau là, pour faire des ouvrages hyper légers, hyper aérés, là, très ajourés. C'est ça le bon mot. 1, 2, 3, 4. Désolée. Donc, super ajouré. Je le refais une dernière fois au ralenti. Je fais mes 3 jetés. 3. Je vais venir piquer. Je fais mon jeté. J'ai mes 5 loops. Je fais un jeté, je passe dans les deux premières. Je fais un jeté, je passe dans les deux suivantes. Un jeté, je passe dans les deux autres. Un jeté et les deux dernières. Dans le fond, on le fait 4 fois, là. Une double, on le fait 3. Une triple, on le fait 4. Si je voudrais faire, là, 5uple bride, je ne sais pas si c'est ça le vrai terme, là. Mais monter... Ben, je ferais plus 6 chaînes, puis je ferais 4 jetés. T'sais. C'est pas mal ça le principe là, des plus hautes brides. Là. Donc, c'est pas mal le secret. Je vais faire un tableau que je vais mettre disponible sur mon site web, sur mon .com, là, dans tableau et références. Vous allez pouvoir voir, là, je vais écrire vraiment maille serrée plus 1, demi-bride plus 2, etc., etc., pour se rappeler du nombre de mailles en l'air qu'on a besoin au début. Aussi, le nom des brides, puis je vais les mettre comme toutes côte à côte, fait que vous allez vraiment voir la hauteur, là, ce que ça va donner. Comme ça, ça va être accessible. Évidemment, le tableau, vous allez pouvoir l'utiliser là, pour usage personnel. Ça me fait plaisir de le partager avec vous. Ça va être disponible sous peu dans tableau et références sur mon site web Inspire Création. inspire-création.com. J'ai des articles de blog aussi, si ça vous tente d'aller lire ça. J'ai mes patrons, évidemment. Voilà. Fait que, ça donne ça. Double bride, triple bride. J'espère que vous avez aimé. J'espère que c'est clair. J'espère que je ne vous ai pas mélangé plus que d'autres choses. De mon côté, je pense que j'ai fait le tour là, des mailles de base. Dans le fond, maintenant, c'est de les ajouter ou de les travailler différemment. Donc, c'est plus des mailles qu'on pourrait dire de fantaisie. Les prochaines vidéos vont ressembler à ça. Mais la base, on a pas mal fait le tour. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi un commentaire, faites-moi un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, tout dépend. Et à bientôt!